J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlogmas. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des petites boucles d'oreilles pendantes qui vont vite me saouler, je le sens. J'ai l'impression, à chaque fois que je mets des boucles d'oreilles, à chaque fois j'ai l'impression d'avoir la lobe d'oreille hyper rouge, ça me gratte et tout, bref, on s'en fout. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'emballage des cadeaux, comme vous pouvez le voir dans le titre, on va emballer les cadeaux de Noël. Donc aujourd'hui, je vais vous filmer en gros ce que j'ai acheté pour les gens. Mais ça je vous le montrerai le 24 parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent en secret mes vidéos. Au moins ils auront la surprise jusqu'au bout. Il est actuellement 14h30, je vous prends assez tard puisque ce matin j'ai monté la vidéo que vous avez vue hier. Je l'ai uploadée etc, ça prend pas mal de temps quand même, ça prend 3-4 heures. Ensuite j'ai fait mes devoirs maison que je devais rendre pour demain. Donc, et voilà quoi, j'ai sorti Birdie etc et je vais un peu ranger l'appartement parce que là c'est vraiment le bordel. Vu que l'appartement est petit, dès qu'il y a du bordel ça se voit. Donc je vais ranger un petit peu et on va commencer à faire les emballages cadeaux. Ah oui, et aussi hier j'ai regardé pour les repas, pour les fêtes, j'ai fait plein de petits croquis. Je vais vous montrer ça avec l'iPad. Je me suis amusée hier à faire ça. Bon, ça ressemble pas à grand chose mais au moins j'ai essayé. Hein. Alors tout d'abord, j'ai préparé mes courses de Noël. Donc là c'est toutes mes courses que j'ai mis ici pour tout ce qui est verrine, tout ce qui est ingrédients, etc. que je vais faire. J'ai piqué pas mal d'idées sur Carrefour. Donc ma première idée, bah, c'était un espèce de toast, vous savez, les pains toastés, les ronds, avec du boursin au-dessus, avec du saumon qui a été mis d'une manière tortillonnée, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, avec un petit concombre pour tenir le tout. Donc j'ai mis ça comme ça. Ensuite, ma deuxième idée, c'était bah, un pain toasté avec du foie gras en rond, avec des petits trucs de figo dessus. C'est très simple. Ma troisième idée, c'était donc des petits cubes de fromage, que ce soit les apérivrais ou les petits cubes d'emmental ou autre, vous savez. Donc ça, avec entouré de jambon fumé, de saumon, et mettre une tomate et un concombre au-dessus. La quatrième idée, c'est le pâté en croûte. Bon, ça, c'est mon père, parce que mon père, il mange pas tout ce qui est fromage, etc. Donc fromage crudité, il en mange pas, donc pâté en croûte, c'est sa vie. La cinquième idée, je trouve ça assez mignon. C'est une verrine avec de l'avocat dans le fond, du saumon, des tomates et du fromage ou du crabe. Dessus, j'aimerais mettre de la ciboulette et des petits morceaux de tomates. Et j'aimerais découper en forme de sapin le saumon et le mettre sur un côté de la paroi de la verrine pour que ça fasse une forme de sapin. Et ça, je pense que ça va faire très joli. Donc on va tester, déjà j'ai pas de verrine, donc je vais essayer de regarder ça dans les placards, mais j'ai des toutes petites, j'ai pas des assez grosses. Ensuite, la sixième idée, donc je voulais alterner mangue, crabe, tomate, avocat et ciboulette, je trouve que ça peut faire un bon mélange. Ma septième idée, on dirait un caca, c'est des rillettes avec du pain, parce que mon père, voilà, comme je vous ai dit, il mange pas de fromage, ni de crudité, etc. Donc les rillettes, bah, il en mange. Ma huitième idée, donc ça je sais pas si je vais pouvoir le faire, c'est des knackis, vous savez, en forme de bottes de Noël, donc je sais pas si je vais le faire, je vous avoue, mais je trouve ça assez sympa l'idée. Ma neuvième idée, c'est donc une verrine avec du concombre, du maïs, du citron vert, du saumon ou du surimi, ça dépendra, de la ciboulette et de l'échalote. Donc l'échalote on en met un tout petit peu, le citron vert pareil, et après on met du maïs, du concombre et du saumon etc. Donc pourquoi pas avec tout ce qui est un peu fromage etc, je sais pas si je vais pouvoir mettre ça, soit avec du fromage soit sans fromage, j'ai eu ça comme petite idée. Et la dixième idée, c'était une espèce de saumon avec du fromage enroulé avec du concombre en forme de, enfin tout ça en forme de bonbon. Il faut que je trouve une idée pour tout ce qui est fromage etc, parce que mon père il n'en mange pas. Donc voilà pour mes petites idées d'apéro de Noël. Si vous voulez vous en inspirer, bah voilà, moi j'ai trouvé ça un peu partout sur le net, dans les catalogues Carrefour, etc. Donc voilà pour tout ça. Nous allons faire une minute de silence pour ma bougie qui a été finie, qui ne veut plus se rallumer. Perfect Tree, the best bougie ever. Il y a ta remplaçante qui t'attend juste là. Ah, nouvelle bougie, je suis trop contente. Bon, je vous ai pas filmé, désolé pour le bruit pour les gosses. J'essaye de déménager, mais mes garons ne veulent pas. On aura ce bruit de fond encore pendant pas mal de temps. Je vous ouvre juste la fenêtre pour que vous voyez à quel point c'est horrible. Voilà. On va fermer. Donc j'ai rangé ma salle de bain, je ne l'ai pas montré, j'ai fait un énorme tri dans mes produits, les produits qui étaient périmés, d'autres que j'ai en double, donc je vais les mettre dans les cadeaux de Noël, etc. Donc là, ça a vachement plus rangé, vachement plus clean. J'ai enlevé pas mal de produits qui venaient de chez Action, parce que je suis allergique au parfum, et là-dedans, il y a du parfum, et au niveau des allergies, je pense que j'en ai assez. Moi, je suis assez contente. J'ai pas mal de petits cadeaux pour les gens, vu que j'ai des produits en double, etc., des trucs que je n'ai pas utilisés. Et je viens de voir que ma soeur est vachement bien gâtée, hein, dis donc. Donc je vais emballer tous les cadeaux, de toute façon, je vais vous montrer tout ça, enfin pour vous le 24, mais là je vais tourner la séquence pour vous montrer les cadeaux que j'ai, et
Et voilà, c'est parti. On va emballer les cadeaux. Alors pour ma sœur, je vais essayer de mettre quasiment tous les cadeaux là-dedans, même si je ne pense pas que ça va rentrer. Mais avec, j'ai gardé le petit nœud qui vient de chez Rituals. Vous savez, du calendrier d'Avent Rituals. Donc je vais l'emballer avec ça. Je vais mettre un papier cadeau, etc. autour. Je viens de vous présenter tous les cadeaux de Noël que j'ai fait, enfin que j'ai acheté, que j'ai reçu, etc. Donc on va procéder à tout ce qui est emballage. Hein, c'est parti. Il y a quand même pas mal de boulot. Surtout ma sœur, ça va être un gros boulot parce qu'il y a plein de choses à faire. J'ai envie de le faire sous forme de swap, donc je vais essayer d'imprimer des petites cartes ou je ne sais quoi pour faire le swap, et je suis trop contente. Et Bichette, regardez-moi cette Bichette. Bichette, tout doux, c'est chali, tellement doux. C'est un petit nuage. Oui, t'as un petit nuage. Ah, je sais pas si je vous ai dit, pour mes cheveux, je les ai attachés parce que j'ai mis de la crème pour mon cuir chevelu. Et j'ai mis de l'huile prodigieuse sur mes pointes hier. Et j'en ai remis un peu. Ah oui, j'ai cassé mon petit flacon huile prodigieuse florale de chez Nuxe. J'ai complètement cassé, il y en a eu partout. Donc j'ai pas pu le tester. Je suis trop dégueu. Bon allez, on va commencer, hein, parce qu'il est tard. Hein. Alors je vais utiliser ça pour le swap de ma sœur. Donc je vais utiliser un papier, vous savez, un peu comme ça. Et derrière, je vais marquer tout ce qu'il y a. Enfin, comme un swap, quoi. Et je vais essayer d'utiliser ce genre de petit motif. Pour indiquer pour qui c'est, etc. J'ai découpé tout ça en forme de petite étiquette. Je vais faire un petit trou, je vais l'attacher avec une petite cordelette. Je vais vous montrer ça. Ça ressemble pas à grand chose, j'ai pas pris assez de petits fils, mais voilà pour le premier cadeau. Et je vais découper une petite partie ici et mettre le nom juste à côté. J'ai refait parce que j'aime pas du tout, donc j'ai mis un scotch double face, enfin j'ai mis un petit scotch ici pour bien tenir le nœud, et j'ai mis donc la petite truc pour Yo-Yo de Lily. Donc voilà, ça c'est... Toi t'aimes bien les petits trucs comme ça, hein. Donc voilà, le petit cadeau, le premier est fait. C'est parti pour les 60 autres. Je vais emballer le reste devant une petite série parce que c'est quand même assez long de faire tout ça. Donc je vous reprends juste après, ça commence à me gratter. Il y a Bichette qui joue beaucoup avec les papiers cadeaux, donc c'est génial. Mais là le soleil se couche, donc je vais vous retrouver un peu plus tard quand il fera nuit, je pense, quand j'aurai fini. Retrouve, il est 20h10, je suis au bout de ma vie, j'ai mal au dos. Je viens de finir d'emballer tous les cadeaux, j'en ai partout. Alors voilà mon salon, donc il me manque juste à emballer ce gros cadeau pour mettre les swaps. Mais je suis trop contente, j'ai fait pile poil 10 cadeaux pour le swap et j'en ai rajouté un 11e. Regardez-moi ce bordel. Mais en tout cas je suis trop contente de mes petits cadeaux, enfin, je trouve qu'ils sont assez mignons. Enfin je trouve ça mignon. Donc voilà, là je vais tout ranger, je vais mettre ça dans ce carton là, j'espère que tout va passer. Donc voilà pour les cadeaux, je vais refermer, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Et cacher le côté carton ici avec des petits morceaux, je vais essayer de faire ça. Un ticket. Oui, après on va mettre le gros nœud, hein. Bon, voyez-moi Chocotte, ouais. Est-ce que Papa Noël il va passer pour toi, Chocotte? Est-ce que t'as été gentil? Hein? On sait pas si Papa Noël il va passer, hein. Ah bah non, c'est pas, hein. Bon, voilà pour le cadeau. Il ressemble à quelque chose, ça va, je suis cotote. Même si sur les côtés c'est pas ouf. Mais voilà mon gros nœud, je suis trop contente de mon gros nœud, comme ça je trouve que ça fait bien. Et voilà, maintenant on va ranger un peu tout ça parce qu'il y a beaucoup de bazar. Mais je suis trop contente de mes petits cadeaux, je trouve qu'ils sont assez jolis. Enfin, c'est. J'aime bien mes petits cadeaux, enfin, je trouve ça trop mignon. Ouais, ils sont mignons mes cadeaux, je suis contente de moi. Bon, je viens de tout ranger et voilà ce que ça donne avec tous les cadeaux. Donc je vois qu'ils sont quand même assez bien gâtés, les petits loustiques, et encore il en manque quelques-uns. Je suis trop contente de mes cadeaux, ils sont super jolis, j'aime bien, c'est beau. Donc moi je suis super contente. Un ticket. Oui. Donc là j'aime faire un peu de soin au niveau de mes cheveux, je vais mettre de l'Olaplex sur cheveux humide comme elle m'a dit la fille. Donc de l'Olaplex, je vais laisser poser pendant une heure environ. Après j'irai me laver les cheveux parce que là ça commence vraiment à me gratter. Ils sont vachement gras. Ma peau elle est toute grasse parce que je me touchais les cheveux et après je me touchais le visage. Donc ça me mettait de la crème sur le visage. C'est
serait terrible. Donc je vais me faire des petits soins, etc. Je vais vous laisser parce qu'il est actuellement 21h09, donc il faut que je monte ce vlog, etc. Donc j'ai encore pas mal de petites choses à faire. Indiquette. En tout cas, je suis contente, j'ai fini tous les cadeaux. Il en manque encore quelques-uns. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste ici si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour un prochain Vlogmas.